Salut tout le monde, ici Quentin, votre serviteur. Aujourd'hui, copains, nous allons nous intéresser à la mythologie grecque, comme d'habitude, et sûrement, et nous, nous allons attaquer l'un des mythes les plus célèbres de tous les temps. Ou plutôt l'un des tout premiers mythes célèbres, les douze travaux d'Héraclès. Oui, j'ai bien dit Héraclès et non Hercule. C'est l'histoire de ce personnage légendaire que je vais vous raconter. Héraclès, ou plutôt Héraclès, est un demi-dieu. Il est né des amours de Zeus et d'une mortelle sang divin de son père qui puisait le roi des dieux et son mortel de sa mère, il est un demi-dieu donc. Héraclès est connu pour ses douze travaux, mais pourquoi et comment il, était obligé de, de, il a été obligé de les faire Je vais vous raconter tout cela. Zeus avait fait un pari avec Héra. Héra lui a demandé que le premier, le premier enfant qui naîtrait dans les nids du grand Percé, un personnage dont je vais raconter dans l'histoire dans l'une de mes prochaines vidéos, je vous le promets, deviendrait roi. Héraclès. Juste. Donne donc, naissance à Héraclès, naissance à Héraclès, il donne, le, il donne son nom. Croyons ainsi pouvoir s'attirer les bonnes faveurs de Héra, son épouse acariâtre. Car en grec, Héraclès signifie la gloire d'Héra. Mais Héra, qui a toujours été jalouse, possessive, orgueilleuse, à tout prévu. Elle a, elle, a, elle, a, elle a atterri la naissance d'un autre demi-dieu, d'un autre enfant. Et de fait, cet enfant est né avant Héraclès. Donc c'est lui qui sera roi. Mais comme ça, mais comme ça ne suffisait pas. Elle envoya deux serpents au milieu du berceau du nouveau-né. Héraclès, qui déjà est doté d'une force surhumaine, les assomme. Plus tard, c'est son professeur de lire qui l'assomme. Héraclès, bien plus tard, Héraclès est assagi. Mais Héra frappe à nouveau. Le frappant de folie. Et il, il est obligé. Et, et sous l'effet du sort d'Héra, il tue ses propres enfants. Il est horrifié, il se rend à Delphes, où vit la, la pitié. Cette personne capable de comprendre l'intention des dieux. Et la pitié lui dit cette chose invraisemblable. Elle est indigne d'être un demi-dieu, indigne d'être un homme indigne d'être un roi. Car celui qui tue ses enfants ne peut pas se dire fils de Zeus. Il ne dit qu'une échappatoire à Atlas pour échapper aux Tartare. C'est bien entendu de se purifier. Et c'est son cousin qui va l'obliger qui a l'idée en lui donnant douze travaux. Ces douze travaux, ils sont tous plus impossibles, plus invraisemblables, plus dégradants les uns, enfin plus plus te plus impressionnables, plus compliqués les uns que les autres. Héraclès fait tour à tour ces douze travaux. Il tue d'abord l'hydre de Lerne, capture le lion de Némée. Il capture le lion de Némée, tue l'hydre de l'herne, nettoie les écuries d'Augastre, enfuis finit s'enfuir les oiseaux du arc et libérer Thésée des enfers. Voilà. À peu près les douze travaux. Voilà les douze travaux que Thésée a affichés. A affiché. Affiché. Zeus. qu'elle n'a pas le choix. Ils doivent. Ils doivent accepter Héraclès parmi eux. Après tout, il a du sang divin en lui. C'est le fils de Zeus, n'oublions pas. Et de surcroît, pendant ses douze travaux, il a il a eu l'aide de Athéna et de Hermès. Hermès n'est pas vraiment étonnant, car, ce n'est pas vraiment étonnant, car Hermès et le fils de Zeus, c'est le dieu des, c'est le patron des voleurs, des, pardon, des, des marchands, des voleurs et des malfaiteurs. C'est aussi le dieu des bergers. Mais c'est aussi le messager, l'agent de liaison entre les dieux. Et plus que tout, il est le dieu protecteur des voyageurs. Quant à Athéna, elle elle est celle de la ruse, mais bien plus que leur attribut respectif, c'est surtout le lien de parenté qui ont attiré la sympathie des deux dieux pour Héraclès. Car, malgré les réticences de leur belle-mère Héra, oui, car beaucoup de rondeuses sont d'union précédente. Héraclès a le même père que le Grand Zeus. Et de ce fait, il est leur demi-frère. Ils se doivent de l'aider. Héraclès fait son. En... Héraclès est donc entré dans l'Olympe et Héra se vit contrainte de l'accepter. Même si ce n'est pas la première fois que Zeus décide de courir les jupons. Après tout, il est bien connu que le roi des dieux, le possesseur de la foudre, le maître des orages, est un cœur assez emballé. Prenons, Zeus est certes le dieu des dieux, mais quand il s'agit d'amour, de sentiments, il ne vaut pas mieux que nous autres mortels. Et encore, certains vaut mieux que Zeus en personne.